Bonjour, bah bonjour Kevin. Bonjour. Ce matin à Marseille. Ouais. D'abord, on a une question qu'on se pose tous. Ouais. Comment tu fais pour être aussi rapide et précis? Tu as un secret? Il n'y a pas de secret. Ça a été le boulot de toute façon pendant un moment. À l'époque où je suis rentré dans Binakil, en fait, mon premier groupe de death metal à 17 ans, j'ai passé beaucoup de temps à rouiller sur la double pédale et le blast. C'était complètement nouveau pour moi, donc forcément j'ai pas mal bossé à cette période-là. Et puis c'est comme le vélo depuis ce temps. C'est le travail resté. Qui paye, quoi. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu as un rythme préféré? Est-ce que tu pourrais nous faire en body beat? Je vais te blaster. Vas-y. Voilà. Quels sont les trois batteurs que tu préfères ou qui t'ont influencé? Que je préfère actuellement, je dirais Jean-Paul Gaster, c'est le mec de Clutch, que je trouve incroyable. Abby Cunningham, le batteur de Deftones, qui est mon batteur préféré de base. Et puis, en troisième, je dirais un mec comme Gavin Harrison, de Porcupine Tree, qui est un touché à un son énorme. Tu as eu énormément de collaborations dans le milieu du métal et avec énormément de groupes. Quelle a été ta plus belle rencontre? Il y a deux types de rencontres. Il y a les Binated, en fait, qui m'ont fait confiance du coup quand j'avais 17 ans, quand j'étais un môme, pour me laisser rentrer dans le groupe, et alors que je connaissais pas du tout le blast, la double et tout ça. Et puis humainement, ça reste mes meilleurs amis, même si je suis plus dans le groupe. Après, rencontre, Andreas Kisser, peut-être de Sepultura, tous les Sepultura d'ailleurs ont été super cool, vraiment, au top. Sur le dernier album de Benighted, il y a un CD bonus où il y a quelques reprises de groupes groupe métal. Quel est le morceau que tu préfères reprendre en cover? Quel est le groupe de métal? Alors sur le dernier album, je dirais Old de Machine Head. C'est du premier album de Machine Head, donc c'était leur meilleure époque, je trouve. Et le morceau en lui-même est assez sympa à jouer. Après, à l'époque, on jouait pas mal de Sever the Children de Napalm Death. D'accord. Qui est un de mes groupes préférés aussi. Donc c'était tu aimes jouer ce morceau parce que c'est... Parce que c'est Napalm Death, l'état d'esprit, tout ça, qui va avec. C'est ton disque de chevet en ce moment, celui que tu écoutes le plus? Le groupe Unsane, l'album Vice Queen. La prod, plus grosse prod que j'ai entendue de ma vie, je pense. J'aime tous les morceaux, le son, l'attitude. Et du coup, ils passent à Lyon bientôt, donc c'est l'occasion. D'accord. T'as un petit truc de batteur que tu souhaiterais nous montrer? Du coup il y a pas mal de gens en fait qui me demandent pour le blast, et en fait ma technique à la con, c'est que je tiens la baguette, en tout cas gauche, entre ces deux doigts, donc l'index et le majeur, et je blast qu'avec les doigts comme ça en fait. D'accord. Tout simplement. Ça fait un peu mal au début, je le cache pas, mais ça marche pour moi en tout cas. Et je sais qu'il y a d'autres batteurs en fait, enfin je l'ai su après coup. Kit Moon par exemple, qui l'utilise aussi cette technique, pourtant on n'a pas du tout le même jeu, évidemment. Mais ça le fait pour moi et voilà, j'ai bossé ça. Donc tu joues sur DW et donc sur ton kit, quels sont les trois points forts que tu apprécies plus par rapport au type de musique que tu joues? Comme je disais hier, DW, voilà. Forcément, grosse caisse en fait, je joue en grosse caisse de 22. Vu que je joue quelques fois trigué, j'adore le son des grosses caisses de 24, mais avec les capteurs en fait ça peut poser souci, donc 22, j'aime bien les grosses caisses pas si profondes au final pour avoir plus d'attaque, donc 22 par 16 c'est celle que j'aurai là, c'est parfait je trouve. Et surtout j'ai juste deux tomes en fait, j'ai le tome tome alto, tome basse, et c'est tout, pas plus. Et puis à côté il y a les cymbales paste. Voilà, donc depuis... Sur quelle série tu joues et quelle est la cymbale que tu préfères dans ton kit? Je suis en Dorset Pace du coup depuis un mois à peine, et j'ai tout en 2002 parce que forcément les batteurs avec lesquels j'ai grandi jouaient tous dessus, et c'est la cymbale rock parfaite pour moi. Le Charley 15 pouces Sound Edge est énorme. J'ai des crash 20 et 19, donc très grosse crash quand même pour du métal aussi rapide on va dire, et puis Ride 22 Power Ride qui est énorme. Ton actualité du moment? Alors là je viens de quitter Binated il y a deux mois. J'avais quitté Abat, un groupe de black metal norvégien qui marche pas mal du coup, même je l'ai quitté il y a quelques mois avant. Là pour l'instant je me suis pris le luxe de refuser les offres que j'avais parce que j'arrive justement à un moment de ma carrière
où j'ai envie de m'orienter dans exactement ce que je veux faire, ce qui serait plus du rock au final, donc vraiment différent de ce que j'ai pu faire avant. Et j'ai, pour le coup, forcément, vu que mon jeu est quand même basé sur la double pédale, forcément il y a plus de groupes qui m'ont proposé des trucs à base de double pédale, de blast et tout ça, mais c'est pas spécialement ce que je recherche. Après, là, juste parce que c'est une belle offre, je vais aller jouer à Las Vegas le 11 juin, du coup, avec mon groupe hollandais de death metal, Disavowed. Et on va profiter, on va rester là-bas quelques jours et je pense que ça va être des bonnes vacances aussi. Bon, puis un petit mot pour la fin, un gros mot pour la fin. La putain de ta race, voilà, le gros mot. Allez, merci beaucoup. Ah non, pas tant. Merci à toi. Pas de soucis, merci à vous.